Nang's Reborn. Wow! Bonjour, Reborn! Comment allez-vous? Tout à l'heure, c'est extraordinaire. Ils ont attrapé un homme avec un cercueil sur lui. Mais qu'est-ce qu'ils foutent avec ce cercueil? Pour eux, c'est un ritualiste. Venez. Venez, nous allons voir ça ensemble. Et vous me direz si c'est vraiment un ritualiste ou pas. Regardez-moi ça! Wow! Vous voyez ça? Regardez très bien. Voici des voisins qui apparaissent à la maison de quelqu'un pour voir ce qui se passe. Parce qu'ils se sentent cette personne d'être dans les trucs de rituel. Et ils ont et regardez ce qu'ils y trouvent. Un cercueil. Peut-être que l'un parmi eux l'a vu entrer avec un cercueil la nuit et l'a attendu le jour pour aller le démasquer. Et regardez dans le cercueil. Regardez. Peut-être que c'est là qu'il dort pour s'envoler la nuit. Comme les sorciers. Mais est-ce que c'est de la blague? Bon, regardez vous-même la vidéo. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Regardez très bien dans le cercueil. Wow. Regardez, c'était un vrai cercueil, hein? Un cercueil joli. Et le gars, il dit que je ne veux pas que quelqu'un vienne me stresser dans ma vie. Là, ça veut sembler tout ça. Et ils ont fini par brûler le cercueil. Vous voyez le feu? Et celui qui filme ça dit que mon Dieu t'a exposé. Il dit que son Dieu a exposé ce ritualiste. La bonne chose se passe ici. Ils ont mis le feu à l'intérieur. Waouh. Vraiment. Vous voyez ça? Vous voyez ça? On voit beaucoup de gens sur les réseaux sociaux avec beaucoup d'argent. On se dit, mais waouh! C'est bon, on peut travailler pour avoir ça, mais. C'est pas aussi simple. Maintenant, regardez ce que nous venons de découvrir. Cela nous montre que les gens sont en train d'emprunter un chemin très facile. Mais le chemin du diable aussi, ce n'est pas simple. Si vous devez dormir dans un cercueil comme ça, c'est pas aussi simple. Qui de nous ici serait capable de dormir dans un cercueil? Ça veut dire que ce diable aussi, on dirait que c'est pas simple. Hein? Vous passez par beaucoup de choses. Si vous pouvez supporter, c'est ça. Mais après, quand vous réussissez vos missions, vos rituels, pourquoi venir sur les réseaux sociaux nous embrouiller avec vos photos, vos images, vous montrer beaucoup d'argent, beaucoup de biens, des voitures de luxe, des maisons de luxe? Pourquoi nous embrouiller avec ça tous les jours alors que vous ne vous êtes conscient que vous ne suivez pas la même voie que nous? C'est là moi je vous dis mes frères et sœurs, vraiment, il y a beaucoup de pièges dans ce monde.
ceux que vous voyez exposer leurs richesses sur les réseaux sociaux, méfiez-vous de ces gens parce que vous ne savez pas. C'est des choses que vous ne savez pas. Quelqu'un peut être fait semblant d'avoir une entreprise, mais derrière, il y a une autre activité qui est faite pour avoir ce qu'il a. Maintenant, toi, tu ne sais pas. Tu es venu aussi dessus, tu l'envies. Parfois, même, tu te plains devant Dieu, tu pries, tu dis, hey, Dieu, il y a quoi? Il faut me bénir, hein, que tu es ici. Pourquoi est-ce que mon ami qui est là-bas est béni et que moi, je ne suis pas béni? Faites vraiment attention, vous qui avez parlé comme ça à Dieu, commencez à, lui demander pardon. Hein. Commencez à lui demander pardon. Parce qu'il y a une affaire où les secrets ont commencé à sortir. C'est bien bizarre. Regardez. C'est étrange. Donc les rituels d'argent, ce n'est pas de la blague. Hein. Ce ne sont pas des histoires. Il y a fait le poids sur le cercueil. Oh mon Dieu. Qui peut prendre un cercueil à l'aile là? Même si on dit. Qui peut prendre un cercueil à l'aile là? Parler de plus sur la maison. Ah! Il peut pas sa mort ou bien. Moi, je connais un professeur d'anglais. Lui, il nous disait tout le temps que lui n'a pas peur de la mort. Et qu'il peut dormir sur le tombeau cimetière ici. Parce qu'on était dans une école catholique, non loin de ça, il y avait un cimetière. Et nous, on pensait que c'était de la blague. Le gars, il a acheté un cercueil. Il a démonté le cercueil, il a mis ça sous son lit. Il dit à ses enfants, le jeu est mêlé. Attirez-moi dedans. C'est-à-dire, il a préparé sa mort en même temps. Moi, ça me faisait rire. Mais lui, au moins, il a démonté le cercueil. Mais ça, c'est pas un cercueil démonté, hein? Je t'ai dit. On peut même se coucher dedans tranquille. Vous voyez ça? Ils ont finalement brûlé le cercueil. Mais après, je me pose des questions. Je me dis, mais est-ce que ça valait la peine? Après, je me pose la question, je me dis, mais est-ce que ça valait la peine? Est-ce qu'il fallait entrer jusqu'à dans la maison du diable, prendre le cercueil du diable et brûler le cercueil du diable? Qu'est-ce que ça change? Le diable se trouve dans les gens. Vous brûlez les habits des gens et vous espérez que le diable quitte dans les gens comment? C'est comme dans certaines églises. Pour chasser un démon, il faut frapper les gens. Quand il y a un démon à toi, là, tu viens dire, mon ami vient ici, tu es possédé. On prend un bois. On te chicote d'une manière. Non? Quand tu quittes ça, tu dis, ouais, je suis délivré. Tellement ils ont chicoté. Ah! Comment vous comptez chasser un démon comme ça? C'est pas possible. Si vous avez brûlé son cercueil, bon, c'est simple. Il peut déménager, il peut aller dans un autre endroit et continuer son activité. Aujourd'hui, on voit son image sur les réseaux sociaux, tout le monde le voit. On dit, hé, hey, n'est-ce pas ce gars-là qui montait l'argent ici, la Jackie, son là, ça vient du cercueil. Ça fait que les gens sont bizarres. Mais c'est vrai, ça va aussi jouer sur son activité. Là, je suis sur l'activité mystique. Donc, bon, c'est tout. On peut dire que l'eau qu'elle versait ne peut plus ramasser. Parce que si on a déjà vu, on sait maintenant que les gens de le pays qui ont un cercueil chez eux et qui tombent dans le cercueil. Ah! Tous les jeunes gens sont devenus des ritualistes à cause de la thune pour rouler dans les belles voitures. Une grosse voiture, mais pour combien de temps? Pour combien de temps? La plupart des gens qui meurent aujourd'hui sont les jeunes. Hein. C'est à cause de tout ça. Vous même regardez. Je suis en train de faire.
Et il dit que oh, ce gars c'est un ritualiste, c'est un ritualiste. Mon Dieu les a exposés. En tout cas, mon frère, toi qui les as exposés comme ça, hein, que ton Dieu soit toujours avec toi. Parce que tu leur as déclenché la guerre. Ils vont chercher à se venger. Donc là, il faut t'accrocher à ton Dieu jusqu'au bout. Parce que c'est déjà fait. Mes frères et sœurs, si c'était une envieuse personne, marchez à votre rythme, avancez en fonction de vos objectifs et de vos besoins. Ouais, de vos besoins. Ne forcez pas tellement les choses. Si tu vas avoir une voiture, il ne faut pas trop forcer les choses. Les gens qui ont des voitures sans le faire accident, ils ont forcé les choses pour avoir une voiture, quand ils ont une voiture sans le faire accident. À quoi ça sert? Donc laisse les choses venir au temps vers toi. Laisse les choses venir au bon moment vers toi. Tu peux travailler, tu peux faire tout ce que tu veux faire. Et dès que le mois sera favorable, tu vas dire, ah vraiment, quand je fais mes calculs, je vois que maintenant je peux m'acheter une maison, maintenant je peux m'acheter une voiture. Et tu achètes la voiture, tu achètes la maison dans la paix du Seigneur. Tranquille. Et ne montre pas tout ça sur les réseaux sociaux. J'ai envie de dire, regardez ce que Dieu a fait pour moi. Regardez ce que Dieu m'a fait pour moi. Laisse à Dieu. Parce que toutes ces choses, après tout, sont des choses éphémères. Ça passe. Ça reste sur la terre, les gens meurent. Laisse à sur la terre, ils vont. Ce sont des choses simples. Faut plus t'emmerder. Ok, merci d'avoir écouté ces mes conseils. Si vous n'êtes pas bon à la bonne voiture, accroche et je vais préparer une vidéo. Vous pouvez également me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'ils ont bien fait d'aller prendre du cercueil là? En tout cas, c'est compliqué. Expliquez-moi. Waouh, merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. C'était extraordinaire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un virement bancaire pour soutenir une offre bonne, dans la description se trouve un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Nuance Bonne 3. Avec Nuance Bonne, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Nuance Bonne 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.